On le sait, les études qui ont été commandées par le gouvernement ces derniers mois et ces dernières semaines ont révélé que, en effet, les acteurs du marché de l'énergie en Belgique avaient perçu des bénéfices très importants en 2021 et que des profits de grande ampleur pouvaient encore être attendus dans les années à venir. On parle de près de 40 millions pour les centrales à gaz et plus de 460 millions pour les centrales nucléaires, et ce, tandis que les exploitants des centrales nucléaires belges pourraient à eux seuls générer jusqu'à 3,3 milliards de marges bénéficiaires sur une période allant de 2021 à 2024. Et pendant ce temps-là, nos concitoyens doivent chaque mois supporter un prix de l'énergie qui explose de manière inquiétante, indécente depuis mi-2021, et que d'ailleurs le gouvernement a dû prendre des mesures pour y répondre assez fortes. Alors, pour notre groupe, évidemment, cette situation est devenue tout à fait intenable et peut-être génératrice de crises sociales très profondes. Et c'est pourquoi nous avons déposé deux propositions visant d'une part à fixer une limite maximale aux marges bénéficiaires perçues par les acteurs du marché de l'énergie, notamment les producteurs et les fournisseurs, et d'autre part à mettre en place des mesures fiscales sur les profits excessifs réalisés par ces mêmes acteurs. Et nous voulons que de telles initiatives soient engagées d'urgence et servent à soutenir plus encore et de manière certainement plus structurelle les ménages belges. Et dans ce cadre, nous soutenons l'idée qu'un tarif spécial de l'énergie soit mis en œuvre pour la majorité de la population, exception faite de celles et ceux qui sont évidemment capables, par leur seul revenu, d'affronter la hausse de leurs factures. Et donc, ça veut dire que les ménages les plus précaires doivent être protégés, bien entendu, mais également les classes moyennes et les travailleurs. Il s'agit ici d'un procédé, finalement, qui est assez comparable à celui du tarif social du gaz et de l'électricité, qui a été une première fois élargi, comme tout le monde le sait, par ce gouvernement et qui a démontré sa très grande efficacité ces derniers mois. Et cette mesure a été également incluse dans nos propositions. Alors, directement après la publication de la dernière étude de la CREG, le gouvernement a pris les choses en main et a commandé une étude sur les possibilités législatives permettant de prélever les surprofits perçus par le secteur énergétique, ce de sorte à apporter un soutien supplémentaire aux Belges confrontés, comme je le disais, à une forte augmentation des prix. Alors, par ailleurs, le gouvernement a affirmé que des initiatives similaires devaient être engagées au niveau européen, et c'est très important. On évoque la possibilité ou l'éventualité d'un blocage des prix du gaz au niveau européen, et nous devons évidemment continuer à travailler dans cette direction. Et donc nous souhaitons aujourd'hui, et j'en conclus, que le gouvernement poursuive le travail qu'il a jusqu'à présent engagé, et nous l'appelons à présenter devant ce Parlement le plus tôt possible le projet de loi ambitieux et efficace qui s'impose. Voilà, je vous remercie.